Hello, bonjour à tous. Je vais vous montrer aujourd'hui un petit tutoriel sur la messagerie de votre boîte mail Gmail et vous montrer comment on lit un message et comment on fait une réponse à l'expéditeur unique. Je vais donc ouvrir ma boîte mail qui est sur Gmail. Ça arrive. J'étais déjà connecté, donc ça tombe bien. Ça arrive, chargement de Pan Peter Cathy sur gmail.com est en cours. Je vais donc sur ma boîte de réception et je vois bien ici que j'ai plusieurs messages. Excusez-moi, je ferme ceci et je vais répondre à peu importe le message auquel je réponds, je vais prendre Robin Leroy ou Bibi Fricotin, par exemple. Je prends un des messages, je clique sur celui-ci, par exemple, et je vais donc répondre à Bibi Fricotin. Pour répondre sur Gmail à un message, vous avez donc la possibilité ici. Excusez-moi, je cherche la réponse. Je descends un petit peu. Ici, vous voyez une petite... J'ai cliqué déjà, excusez-moi. Je reviens sur ma boîte mail, boîte de réception. Je prends le message que je veux. Et je vais ici indiquer répondre en cliquant sur la flèche. Comme vous pouvez le voir, je réponds uniquement à Bibi Fricotin. Et je le dis merci pour ton message, cher Bibi. Voilà. Et je peux donc envoyer ma réponse. Voilà. Je vois bien que j'ai bien envoyé aujourd'hui ma réponse à Bibi Fricotin. Je vais donc retourner sur mon boîte de réception. Et je vais aller sur le deuxième onglet qui est ici pour aller chercher ma boîte mail Yahoo. Et voir si j'ai bien reçu ma réponse. Je ne réponds qu'au destinataire principal qui était en bas. J'ouvre ma boîte mail Bibi Fricotin. Et je l'ouvre afin que vous puissiez voir la réponse de Peter Pan. Voilà, je me connecte. Ça arrive. Voilà ma réponse que je vois tout de suite dans la boîte de réception. Je clique sur le message. Et vous voyez bien ici. Excusez-moi. Je vais un peu vite. Boîte de réception. Le message que j'ai reçu. Et je vois bien ici. Merci pour ton message, cher Bibi, et il n'y a bien que moi qui suis destinataire de cette réponse. Je reviens sur ma boîte Gmail, dans messages envoyés. Je vois bien ici à Bibi Fricotin. Je clique dessus et je vois bien que j'avais répondu à seulement Bibi. Comme vous pouvez le voir ici. Seulement à Bibi Fricotin pour une réponse simple. Voilà. À la prochaine fois pour vous montrer comment on fait répondre à tous sur Gmail. À bientôt.